le Conseil municipal des enfants repart en vadrouille. L'objectif aujourd'hui, habiller le mobilier urbain de laines et de couleurs grâce aux tricoteuses et tricoteurs des résidences autonomie municipale. Le projet pour les seniors est de décorer le mobilier urbain à l'aide de tricots et de crochets. Ce projet qui va aboutir normalement le 21 septembre dans le cadre de Limoges en couleur. Parce qu'on a un projet, on veut broder pour les entourer autour des mobiliers urbains. Il faut les mesurer. Alors voilà. D'accord, je vois ce que tu veux. Oui, mais il faut faire jusqu'à 40. Oui, mais le temps. Là, c'est bon, là. Oui, mais le temps pas. Comme ça, tu dois faire du tir dessus, non. Non, non, pas. Là, ça va. Donne-le, parfait, dessus. Non, non. Toi, frère, je viens de laisser la queue. Ah, oui, d'accord. On voit tout ce qu'il y a encore. D'accord. Ok, je vois. Tu vois ? C'est chez les bandes, pour le moment, que c'est j'arrive. Non, c'est le plus facile. Mais par contre, il faut que je fasse attention de ne pas dépasser les 40 cm de là. Et là, faire 10 cm, c'est ça, bébé ? En bas, oui. Voilà. C'est pas évident. Oui, mais enfin, bon... On se débrouille comme on peut. Parce que ça nous faisait plaisir de rendre service. Ben voilà. Donner de son temps pour faire plaisir. Et puis, aux c'est enfants. Tout, hein. Alors, ce lien intergénérationnel qui avait été présenté aux seniors et cette rencontre représente pour eux énormément, justement, puisque ce lien intergénérationnel leur permet de rester dans cette vie qu'ils ont parfois perdue. Effectivement, on vit en résidence autonomie un peu différemment, et ce lien intergénérationnel représente énormément. C'est pas encore, mais peut-être qu'on pourra vous convier aux ateliers pour nous aider à assembler. Ah bah oui, hein, voilà. Qui vous a appris à tricoter ? Une dame qui m'a adoptée, que j'appelais mamie. C'est elle qui m'a appris. Dès que je vais soit au week-end ou le mercredi chez mon compagnon, le tricot, il suit. Hein. Ah ben bah, il faut être positif. Et la tricoter pour les enfants, c'est sympa quand même ? Ah, je trouve. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné à cette matière ? De laine, alors, je pense. Je pense. De la laine. Ah ben la laine, écoute, moi j'en ai là-haut.